Absolument, vous spussez un hold-up. Pourquoi préciser hold-up? Il voit bien qu'on n'est pas là pour une belote. Oui, bah c'est tout ce qui m'est venu. Sinon, joli le coup de pied, hein, belle entrée. Monsieur, dame. Dis donc, si ça tourne mal et qu'on est en cavale, faudrait aller vers Dijon. Il y a deux macarons Michelin qui n'a pas l'air mal. Écoute, je te lis. Feuilleté de sol au girolle, sauce safran, salade bressane aux xérès dans son turban de truffe. C'est pas mal ça, hein? Ça, alors met du temps, hein. 2 millions, ça se ramasse pas en 2 minutes. Le temps d'ouvrir le coffre, de mettre les billets dans les sacs. Il faut pas accélérer comme ça tout le temps. C'est des coups à caler au démarrage. Et on a l'air bête après. Ouvre le coffre, vite! Ouvrez le coffre, je le descends! Oh non. On perd du temps là. Ouvrez le coffre, je le descends! Bien! Ouvrez le coffre, je vous descends. Mais c'est lui qui a le code et les clés, faudrait voir avec lui, c'est lui le responsable. Oh là là. Réveillez-le. Bon, le plein, c'est ok. Les freins ok, les pneus ok. J'ai changé les plaques de la bagnole. J'ai fait pipi. J'ai mis la ceinture en cas de poursuite. Ça c'est là. Merde! Elle a oublié les sacs! Oh. Vous avez les sacs? Un conseil contre le stress pendant la casse. Faut manger des carottes et des betteraves. Boire de l'eau minérale et de la flûte en verre d'aide. Ah, hein, c'est tout? Mais comment ça, c'est tout? Le coffre est vide, hein, c'est pas notre meilleur jour. C'est mieux en fin de semaine. Ah bon? Si la dame le dit. La vache! Et je mets tout ça dans quoi, moi? Oh, j'ai oublié les sacs, moi! Ah, cette dame était bien gentille, elle était pas obligée de nous prêter son caddie. Hein. T'es bien parti pourtant! Oh les mains, jetez votre arme! Oh zut! Oh là là! Bah oui, mais il avait qu'à pas être là. Ça va? Bof. Bon. Oh là là! Merde, c'est foutu! Est-ce que j'avais dit? Les voilà! Faut jamais prendre un diesel pour un casse, hein? Et jamais de couleur criarde. Le meilleur moyen de se faire repérer. Mais c'est la voiture à ma mère, elle me l'a prêtée. C'est pratique, je te jure! Et on prend une 4 portes, c'est plus pratique. Alors, comment ça s'est passé? Ça aurait pu être pire, hein. Mm-hmm. Et vous? Oh, il n'arrive plus à démarrer. Qu'est-ce que tu foutais? T'as oublié les sacs, je te signale. Oui, bah ça peut arriver, hein. Ils étaient un peu lents là-haut à ouvrir le coffre. Bon, tu démarres? Faudrait pousser. On n'est pas rendu. Oh là 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 là. S'il vous plaît. Oui? Vous pouvez pousser? Oui. Oh là là. Alors? Arrêtez-la! On est mal, on est mal! Je lui ai dit. Il n'arrêtait pas de faire ronfler l'accélérateur. Ah, attends, tu te fonces! C'est dommage, il a perdu son flingue. Deux cafés. C'est la voiture à sa mère. C'est même pas une voiture volée. J'ai quand même changé les plaques. Ah bah tant mieux. S'il continue à conduire à l'américaine, on va se faire repérer. T'en fais pas un peu trop, non? Bah peut-être. Mais on n'a pas des flics au cul. Maintenant, on va voir comment il arrive à l'Espagne. D'abord. Non, ça aurait pu être pire. Bon, on a bien entendu siffler les balles tout de même. Allez, laissez vos armes dans la voiture. Hein. Je vais la pousser dans les temps. Alors, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. On change de voiture. J'ai faim. Je connais un bon resto dans le coin. Ah. Eh ben moi, j'ai prévu le repas tiré du sac, hein. Alors jambon beurre, œuf dur, pomme. Oh là là. Avant, on prenait le temps d'un bon resto. Et on change de tenue pour passer inaperçu. Et allons donc. C'est sûr, on va passer inaperçu. Bon, on y va.
5h23, un peu long. Après un casse, il faut se mettre à l'abri en moins de 2 heures. Ah, mais ça, c'est à cause des flics. On a peut-être perdu un peu de temps avec la poursuite. Justement, beaucoup trop longue, la poursuite. Alors, pour la conduite et la maîtrise de la situation, j'ai mis 8 sur 20. Beaucoup trop nerveux. Le choix du véhicule et l'option de changement de tenue et de voiture en race campagne, trop long. Voilà. Mieux vaut rester en ville et trouver un hangar discret. J'ai mis 9. Alors... Perte d'un revolver pendant le travail. Mais ça aussi, ça fait baisser la moyenne. Alors, pour le hold-up proprement dit, j'ai envie de mettre 14. Pour ça, Si, une bonne maîtrise face aux impondérables, un bon corporel, une bonne aisance face aux victimes. Je regrette un peu le tir gratuit sur le vigile. J'étais énervée. Bon, de qui était le plan ? De nous deux, on l'a bien bûché pourtant. Mais on est surtout des adeptes de la méthode Alfredo. Ouais. Alfredo le Nantais, ouais. On connaît, enfin... On a connu. Et puis, votre plan était mal préparé. Bon. Ah bah si. Les renseignements étaient erronés, il n'y avait pas assez d'argent dans le coffre. Bah, pour ma part, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue, mais vous êtes reçu ni l'un ni l'autre. Oh, pourquoi, monsieur? Ça nous fait la moyenne. On s'est même pas fait prendre. C'est vrai. Mais vous avez pourtant oublié le principal. Bah quoi? Le caddie avec l'argent est au fond de l'étang, dans l'autre voiture. Plouf. Oh, la boulette. Désolé. Et vous pourrez toujours avoir la session de rattrapage. Vous avez pris quoi comme option? Proxénétisme. Moi, assassinat commandité. Allez, baissez pas les bras. Bon courage. Vous perdez beaucoup trop de temps à ouvrir la porte. L'alarme peut se déclencher. Vous devez ouvrir en moins de 15 secondes. Bonjour. Salut Martino. Bonjour Martino. On se retrouve à la salle des profs. Oui, à tout de suite. N'oubliez pas, 15 secondes, c'est 15 secondes. Mongin, vous devez toujours transporter votre fusil dans l'étui. Je sais bien, monsieur, mais on me l'a volé, mon étui. Oh là là. Je ne vous fais pas dire. Oh. Ça, ma mère va faire la queue. Mon père, il va me tuer.